Ich lebe in einem Wohnviertel im Norden Pekings. Seit Tagen erhöhen sie wieder den Druck wegen der Hygienevorschriften. Heute Morgen will ich mit meinem Sohn Hugo nur mal etwas Luft schnappen. Als Wächter uns aufhalten. Wir probieren einen anderen Ausgang. Selbes Problem. Wachleute in weißen Schutzanzügen schieben Dienst. Schnell werden aus den 2 Tagen 5, dann 9, dann immer mehr. Keiner weiß, wann wir wieder raus dürfen. 3-mal saßen wir allein dieses Jahr wochenlang zu Hause im Lockdown fest. Fast gleichzeitig, einige Kilometer von uns entfernt, kriege ich mit, dass junge Leute zu Hunderten auf die Straße strömen. Eine unglaubliche Szene. Seit 1989 hat es so etwas nicht mehr gegeben. Am Liang Mae-Fluss, im sonst eher ruhigen Botschaftsviertel, wagen die Menschen sich auf die Straße. Mit einem weißen Blatt in der Hand, dem Symbol für die staatliche Zensur. Wir sind überrascht. Rückhaltlos lassen sie ihrer Wut freien Lauf. Alle sind da. Trotz drohender Verhaftung durch die Polizei, die das Viertel schnell abgeriegelt hat. Kundgebungen werden in China nicht geduldet. Die Wut schwappt auf das ganze Land über. Tausende junger Menschen gehen gleichzeitig auf die Straße, in Shanghai, in Kanton, in Ürümqi. Ich habe das Gefühl, einen historischen Moment zu erleben. Wir wollen verstehen, was da los ist, und gehen nach Hause. Ça fait 15 ans que je vis en Chine. Je suis journaliste et correspondant ici à Pékin. Et c'est notre histoire que je vais vous raconter avec Hugo, mon fils, et Lulu, ma femme, qui est chinoise. Je pense que c'est mort aujourd'hui. Je pense que ça sera plus demain. Il y a combien de cas à Pékin aujourd'hui? Vous allez voir. Ça donne allergie, non? Et là, ils disent le malade le plus proche, il est à... Il est juste en bas chez 700 nous. 700 mètres, c'est ça? Ouais, juste en bas chez nous, petit bistrot, 24 heures. Ma mère, si, heureusement, elle sait pas, il y a des cartes comme ça. Si elle sait, elle va regarder tous les jours, elle va plus envie de sortir. Faire peur aux gens, et c'est le plus fort. Et les gens ont besoin de travailler, besoin de gagner de l'argent, gagner, nourrir leurs enfants et leur famille, quoi. L'économie, c'est en train de suicider, quoi. Unsere einzige Ablenkung tagsüber ist rausgehen, etwas einkaufen, stets mit der obligatorischen Maske. Seit 3 Jahren geht das nun schon so. Wir kaufen etwas Obst und Gemüse. Glücklicherweise hat unten im Gebäude ein Gemüseladen aufgemacht. Wir müssen nicht aus der Anlage raus. Là, je fais le tour de la résidence et en fait, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont comme celui-là, ceinturé de barricades, avec interdiction de sortir pour eux de leur immeuble. Donc ils peuvent même pas faire ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc on est un peu soumis en fait à ce risque-là. C'est-à-dire on fait des tests quotidiens, il suffit qu'une personne soit malade dans le bâtiment pour que... qu'ils nous enferment tous et on sait pas trop pour combien de temps. Doch tags drauf, als ich den Müll runterbringe, wir nehmen den Aufzug, da trifft es uns wie ein Keulenschlag. Oh, 垃圾我放这儿吗？还是？
On peut pas sortir, il y a une barrière. Là. En 5 jours, il y a des gens qui vont nous ramener de la bouffe et des légumes. Parce que notre immeuble est un cas. Voilà, nous voilà enfermés chez nous, mais les hommes en blanc peuvent débarquer à tout moment pour nous apposer un test. C'est quoi? La livraison du jour. 1, 2, 3, 4, 5 tests Covid. Et là, on doit faire un deuxième test, un autotest en fait. Et puis après, on doit leur envoyer les résultats. Depuis le temps que je fais des tests, je devrais savoir exactement comment ça marche. Donc. Voilà, miracle, ça monte. Allez, allez, grimpe. Voilà, donc le résultat est négatif. On va leur envoyer ça par réseau social, sur Internet. Voilà, on est bon jusqu'à demain. Wir nehmen das mit Ironie, aber ganz ehrlich, es ist kaum noch zu ertragen. Selbst im Urlaub saßen wir fest. Wir wollten eigentlich für eine Woche ans Meer, als Auszeit auf die Tropeninsel Hainan. Doch kaum sind wir im Hotel, der Schock. Angeblich gibt es auf diesem Teil der Insel einen Corona-Fall. Also alles zurück auf los. Sie riegeln alles ab. Même à l'autre bout de la Chine, dépistage quasi quotidien. Mais sauf que là, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chaud. Unser Urlaub ist im Eimer. Wir müssen uns auf der Insel abschotten, dürfen nicht abreisen nach Hause, nach Peking. Nicht mal das Meer haben wir gesehen. Ça fait trois semaines déjà qu'on est enfermé ici dans cette résidence. On en est à plus que 20, peut-être même 25 déjà tests PCR ici. Je ne sais pas qui imagine ces règles, mais c'est des gros malades quoi. Donc franchement, il faut avoir vécu ça au moins une fois dans sa vie pour se rendre compte ce qu'est une vraie dictature sanitaire. Malheureusement, on n'exprime pas sa colère parce que ça termine souvent très mal. Mais je le vis pas bien, quoi. Franchement, surtout que c'est incompréhensible pour moi. Il n'y a pas de cas, il y a un ou deux malades dans tout le district. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Schließlich, nach einem langen Monat, lässt man uns endlich wieder heim nach Peking. Donc, il n'y a qu'un vol par jour, au lieu d'une dizaine. On n'a jamais été aussi proche de pouvoir rentrer chez nous. On ne sait pas trop comment va être le comité d'accueil. À voir. Die dabei, die sogenannten weißen Riesen, folgen uns auf Schritt und Tritt. Bis vor unsere Tür. Dernière Navette, juste pour nous. Avec plein de sacs en plastique. On passe quand même la voiture au détergent, on sait jamais. On monte chez nous. Et on sort. Da dachten wir, wir könnten wieder heim, zurück in unser normales Leben. Aber neue Überraschung. An unserer Tür hängt eine Alarmanlage. Petit dispositif de contrôle. Voilà. Enfermé pour 7 jours. Corona gibt es seit nun 3 Jahren.
Wir und 1,5 Milliarden Chinesen können nicht mehr. Wieder im Lockdown. Fassungslos verfolgen wir mit, wie China sich gegen die restriktiven Hygienemaßnahmen erhebt. Les gens, ils manifestent. Ah oui, c'est les pauvres. Ils cassent tout. Ils peuvent pas travailler, c'est ça? Ou ils traitent mal, ou les deux? Je pense qu'ils peuvent pas travailler, alors ils craquent, ils cassent tout. In den Städten, auf dem Land und in den Fabriken, überall wagen sie den Aufstand gegen die kommunistische Partei. Vielleicht schaffen sie es ja, dass sich ein bisschen was ändert. Bon, allez, chérie, sois pas triste, on va se détendre un peu, on va regarder un match, c'est la Coupe du Monde, tu sais. C'est quand on peut vivre comme les gens dans le... Comme ça, là. Normal, là. Personne met des masques, font la fête comme ça, tout serré. Oh, des mille de spectateurs. C'est dingue. Ça a l'air fou, non? On vit un peu dans un cauchemar, non? Pire qu'un cauchemar. Cauchemar? Un cauchemar, le matin, tu te lèves, c'est fini. Mais nous, ça a duré combien de temps? Surtout, on ne sait pas c'est quand ça va finir. C'était espoir, quoi. Surtout quand tu vois les autres, la race du monde, la plupart de gens, ils ont une vie normale, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fout d'ici? On se fait mal. Pour rien. Angesichts der Proteste kündigt die chinesische Regierung eine Lockerung der Null-Covid-Maßnahmen an. Ob unser Leben jetzt wieder normal wird? Das ist alles andere als sicher.